Ah, peut-être pas, tant t'as crash quand même. Ah! Non, je saute pas assez haut. Ah oui, effectivement, il y a une... Ah, une échelle, là, enfin, je sais pas comment ça se dit, mais on va les couper, en fait. Tente de revenir en arrière, si t'as... Si... Oh putain, j'ai ri. En gros, un lièvre vient de me pousser sur une plateforme, et là, si je ne sais pas sauter, bah, je suis dans la merde. Wouh! Game over. Mais quand on est quoi? Traduction, vu qu'il a trouvé le bouton qui saute. Ok. Commençons déjà par faire ceci avant de crever de façon totalement. Wow! Il me fait traverser les étages! Wow! Joli! Nous ne sommes pas là pour parler de tension politique, nous sommes là pour parler jeux vidéo. Même si bon. Oh! Ce chip, c'est un quoi déjà? Là où tu veux sauter, hein, c'est nouveau ça. C'est étrange! Ah! Ah! Non! Non! Ceci sonne mon requiem. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop compris en fait. Ah, le grand saut. Monsieur Musashi. Qui étrangement est français. Run! Compris. Jump! C'est quoi? Je vais sauter avant que tu me dises de sauter. Qu'est-ce que tu dis? C'était le grand saut, mais... Quoique, je crois que ça me donne des cadeaux même quand c'est votre objectif. Oui. Je déteste quand on fout des blocs invisibles, mais genre pile à la fin pour vous empêcher de prendre le drapeau, et c'est ça qui vous empêche de gagner. Je déteste ça. Ok. Qu'est-ce que je disais? Il faut remettre dans des trous particuliers. Il me semble que tous les trous ne sont pas... Mais merde! Ces machins vont me rendre fou. Non. Je déteste ces chauves-souris, elles sont mal faites. Même celui de la Game Boy, il est carré en fait. Il est vraiment carré. C'est même pas du 4 tiers, c'est du 1-1. C'est du 1. Coucou. Attends une minute. C'est bizarre. Coucou. Alors là... Pardon, excusez-moi, je suis débile. Oh, je vais pas pouvoir viser correctement là maintenant. Trop... Oh, putain, saute. Voilà. Prends ça. Prends ça. Pour rentrer dans un interstice d'une porte, qu'est-ce que vous faites? Ben vous sautez, évidemment. Vous le voyez pas, parce que vous voyez pas l'interface de Game Capture, mais moi je vois que ça. C'est pas tellement... en plein écran? C'est plus en plein écran, ouais. Ah. Et là, il y aura une chauve-souris qui m'attaque. Putain de merde! Comme tu t'es fait spotter. Mais, hé, tu sais... 5 heures et une putain de merde. Il a du bois. Ses bras sont faits de bois. Vous le reconnaîtrez en fait. Et c'est peut-être pour ça que les ennemis ont la mauvaise réaction à chaque fois qu'ils nous voient. Oh mon dieu, c'est un simulacre. Un simulacre. Non, après, c'est pas dans le contexte. Qui a fait ça? Ça fait des années que notre partie de catch cash a commencé. On n'a jamais retrouvé le respect.
Il était vraiment bien caché. Il y a une explosion derrière toi, bordel. Pourquoi tu vas chercher dans l'eau? Allez, jetez un coup d'œil. T'es vraiment un abruti. Tiens, tu mérites ça. Si c'était un niveau automatique, ça devait être forcément mauvais. How can she slap? J'ai envie d'être tripé quelqu'un. Oh mon dieu, c'était horrible. Quoi? Oh mon dieu, c'est nerveux là maintenant. Mais comment tu peux te planter là? Comment? Mais il a glissé! Mais c'est le jeu! Le jeu, les méchants! Le jeu, les méchants! Oh waouh! Je suis super nul! Putain de merde! Oh, tu me vends du rêve, mec! Tu me vends vraiment du rêve! Le mélange entre rire et désespoir. Il est en train d'agoniser en plus. Et... Bon, t'es mort. Vu que t'arrives jamais à passer ce passage sans te faire toucher. Et c'est là qu'en la passant à la YOLO, j'y arrive. Tu sais quoi? On va faire ça. Cet homme est fou. Let's go! Calme, ma jolie. Je préfère une approche plus physique. C'est comme ça que tu dragues les femmes? Je vais t'apprendre, moi, comment on drague les hommes. Boum! Mais reviens là. Quoi? Oh merde! Je vais te tuer. Oh regarde un papillon! Où ça? Où ça? Voyons voir ce qu'il a à nous dire celui-là. Héroïne, sauveuse d'enfants et qui n'arrête pas de frotter le cul des autres. Au nom de Mars et au nom du feu pourfendeur, je vais vous châtier. Je vais rajouter un peu, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. What? Mais c'était si facile! Mais... Lara, tu devrais avoir honte de t'être fait arnaquer de cette façon. Tu veux me découper? Eh ben moi, je vais te donner un... Falcon Punch! Ça vaut tous les couteaux du monde! C'est parti, Sia! Allez, ma cocotte, je te tiens! Oh! Oh oui! Je veux bien! D'accord, j'ai compris, accès refusé. Ah, mais t'as deux fois Zelda CDI? Ah non, mais d'accord. Non! Par contre, ces deux, c'est leur moon. Par contre, non, on va avoir une crise de schizophrénie parce qu'on a deux, c'est leur moon. Tu sais que c'est leur moon a déjà battu, c'est leur moon. Je ne dirais pas dans quel sens. Ah, si, ah, schizophrénie. Oui, bien sûr, oui. Sia est au bord de l'eau, mais heureusement, elle a ses bouées gonflables pour rester à la surface. Au niveau de Lara, c'est du F.
De ce que j'ai vu en info, c'était 95D, mais bon, je vais pas... Je fais du 95D. Je peux fantasmer... Non. Ok. Mesdames et messieurs, votre héros. Pas très très utile, mais bon, on va le prendre quand même. La succession de l'échec. Eh bien, je vais t'émerveiller avec mes capacités de Cordy, si j'arrive à me sortir de là. Wouh. Non, 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 non. Encore une fois, c'est pas par là que je vais sauter. Regarde maman, je vole. Ouais. Et là t'es mort. Lara doit faire un truc là. Lara a peur des flèches. Et plus que tout, elle a peur. Ah. l'habitude du grappin qui a pu sur A. Wielkie dzięki. Vas-y, vas-y, refais la même chose que tout à l'heure, c'était bon. Non, 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 non. Non, mais vas-y, vas-y, je l'ai mal vu tout à l'heure. Mais ouais, j'avoue, on l'a mal vu. Va te faire foutre. Oh, le Vazming. Oh, le Vazming. Oh, ah. On l'a bien vu. Bon bah ouais hein. Salut. Donc j'allais dire, elle a peur des flèches, mais surtout elle a peur des portes. Et elle a peur du sol aussi, n'est-ce pas, Underworld? Oui. Maintenant, in before 1h30 de vidéo, je tente de rechercher à cause de la moindre. C'est génial! Maintenant, on peut être vendu sur eBay. Maintenant, j'ai pas encore. Attendez. Là, voilà, je le tiens. Wow! Vive la physique! Merci de nous rappeler de ce moment qui nous a complètement ridiculisés. Oh mon dieu, ils l'ont cité en plus de cela. Je m'en moquais dans la précédente vidéo, mais en plus là, ils le citent. J'arrive pas à le croire. C'est dégueulasse. Vous devriez avoir honte de vous. I'm fabulous. Et mes cheveux passent à travers de ma cape. Tada, c'est moi. Non merci Kiraim, je veux pas de French kiss. Oh génial, je dois rien pour la récupérer, sérieux. Oh merde. Oh bordel. Je sais pas ce qui est arrivé à tes yeux, ma belle, mais... Oui, là, ils sont devenus réellement force rose. C'était mon super bon, en effet. Ouais, c'était... Garde ton équilibre. Ta gueule. On équilibre pour faire des vagues, ouais. C'est formidable ce que t'es en train de faire. Ah, la meuf qui y croit trop, t'sais. Oh mon dieu, je me suis défoncé la corde vocale pour faire ça. Oh putain, je viens de réaliser un truc. Lana, c'est Elena de Pandora Sour. Look out for yourself out there. Tête de niaise. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Babies cry. Yeah.
was as though it was crying specifically for me. Mes pleurs sont adressés à toi. Arrête de parler, s'il te plaît. Tu n'arriveras pas à me tuer. Tôt ou tard, tu n'auras plus de munitions. You serious? Non, moi je trouve pas ça dégueulasse honnêtement, parce que bon, sur l'Elgato ça doit être encore plus sombre que d'habitude, donc tu dois avoir que des couleurs. J'ai déjà eu 5 fois le cancer là. Mais t'es déjà du signe du cancer, tu peux pas être plus cancer que ça. Je suis le cancer du cancer. Tu es trop cancéreux, mon vieux. Je suis le cancer rond cancer. C'est trop blague de matos pour comprendre. Bah, je suis cancer au carré, c'est pas ce que ça. I will never be apart. You're the one that makes me feel so high. Just like the diamonds in the sky. Et c'est ainsi que Le petit Sangouane 404. Non mais tu déconnes, là je retombe en enfance là. Tu peux m'appeler Sangouane 404. J'allais dire Big Viper, mais en fait à l'époque c'était encore Sangouane. Et je dis, c'est ainsi que le petit Sangouane décida de faire une licence d'anglais. Parce que l'anglais c'est trop cool et on peut chanter des chansons trop bien. Et après il découvre que... Eh, dis-toi que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait licence d'anglais. Oh connard. Oh merde. Tu te fous de ma gueule, j'espère. Je suis mort 3 fois dans un jeu que je considère facile. En 1 heure. Waouh. Je serai plus jamais pris au sérieux. Il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Il y a des jours... voilà, quoi. Oui. Il ne s'est pas brûlé au premier geyser. Il ne s'est pas brûlé. Merde. Il se plante. Oh là là, le cosmos n'est plus avec lui. Le cosmos. Cosmos de mon cul. T'es conscient que t'étais déjà là depuis un quart d'heure. Un quart d'heure, t'es malade. Heureusement qu'on puisse pas voir ma face, parce que sinon je pourrais pas me permettre de faire de l'impolitiquement correct. Je plaisante bien sûr, ce Père Noël est génial. Hey, easy crazy Viper, vous avez toujours rêvé d'une voiture qui pourrait rouler sur les murs? Eh bien, n'attendez plus, contactez le 666-69, et si vous êtes parti des premiers acheteurs, vous pourrez récupérer ces magnifiques flingues. Et tout ceci pour la coquette somme de votre amour. Si je dois sacrifier une moto, moi ça m'irait bien, mais non. Hey hey hey, ici Crazy Viper. Vous en avez pas la casquette de ces bagnoles incontrôlables qui vous envoient dans le décor? J'ai la solution pour vous. Voici la Alex Mobile. Équipée de la carrosserie d'un 60 tonnes, cette merveille tient tellement le choc qu'elle ira à la casse après vous. Achetez-la pour seulement 666$, c'est l'affaire du siècle. À utiliser seulement en deux dimensions. Bon, on va tenter. Ah! Ok, bon bah. Non, c'est pas vrai. Alors là, j'aurais pas deviné sans toi. Oh, oh putain. Merci, capitaine Obvious. Oh, c'est un contrôleur. Waouh. Hé, t'as un casque. Il est fun. Wouh. Il a traversé un arbre, mesdames et messieurs. Combien de temps il va... Oh bah, il a pas survécu. Effectivement, Larson ne veut pas vraiment nous tuer. Non! Non! Tout mais pas ça! Tout mais pas une séquence en moto! Je ferai tout ce que tu veux, je jouerai à FF13! Je jouerai à FF13! Je suis sûr. Mais écoute, je suis prêt à refaire 15 minutes d'aller-retour si c'est pour... Ah, oui, c'est vrai. Tu ne peux pas la porter en même temps, il faut que tu la... Ça la, doit la... être pour ça que dans Twilight Princess, j'avais du mal. Parce qu'on peut pas porter les bombes en même temps. Il faut que tu fasses ça progressivement, je crois. Tu la lances d'abord sur le truc qui est juste en face. Je sais pas viser, lol. Ah.
je tiens comment mon stick. Il y a des gens qui doivent se demander comment je fais parce que tout à l'heure... Quoi ? Alors, je vais tenter une expérience. Imaginez ce jeu-là, Bubsy 1, mais avec la voix de Bubsy 3D, tout le long. Ça donnerait ça. Now, what would a platform game be without platforms? Woohoo! Now, if you lose a Bubsy, you'll come over here! Come on! Don't be shy! Step right up and we'll sell you! Shut up! Merci Arnold. Oh punaise! Comment j'aurais pu prévoir ça? Ta gueule, Bubsy! Bubsy, 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 Bubcat! Fucking people. I like it. Je viens de voir Bubsy en train de remuer son popotin en même temps de dire j'aime ça. Ce n'est pas une bonne journée pour être moi. Et tu vas mourir en plus. Ah non, c'est pour te faire récupérer ta vie. Et Tricky qui dit let's play. Ah ouais, j'ai l'air vachement de m'amuser. Oh, c'est trop rigolo drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse, Lul? Elle est revenue! Non! Bon, moi, elle est morte. Mais vois non. Le bon côté des choses, elle est morte. Le mec, il remet sa haine sur Tricky alors qu'il a rien fait, toi. Mais... Oh putain. Le mec il est en train de craquer. Oh. Bande de monstres.